Charles Gave, économiste et entrepreneur connu pour ses critiques des politiques économiques en France, il a souvent exprimé des opinions tranchées sur le président Emmanuel Macron et sa politique. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Charles Gave est critique vis-à-vis de la politique économique menée par Emmanuel Macron, qu'il considère comme une continuation des politiques néolibérales que lui et d'autres économistes jugent néfastes pour la France. Selon Gave, Macron incarne une forme de technocratie déconnectée des réalités économiques et sociales du pays. Il estime que le président adopte des réformes qui, bien qu'apparemment orientées vers la modernisation de l'économie, ne traitent pas les problèmes de fond et, en fait, aggravent les inégalités. Gave critique notamment la gestion des finances publiques sous Macron, qu'il considère comme une extension des politiques de dette publique massive. Pour lui, le maintien d'une dette élevée sans une stratégie claire pour la réduire est une erreur qui pourrait nuire à la stabilité économique de la France à long terme. Il accuse le président de privilégier les apparences et les réformes symboliques plutôt que d'aborder les véritables causes de la faiblesse économique, telles que la lourdeur administrative et la rigidité du marché du travail. En ce qui concerne les réformes du marché du travail, Gave considère que les mesures prises ne vont pas assez loin pour libérer le potentiel économique de la France. Il estime que les réformes ne sont que des ajustements superficiels qui ne parviennent pas à résoudre les problèmes structurels comme le coût du travail élevé et la bureaucratie. Selon lui, ces réformes ne parviennent pas à créer un environnement propice à l'innovation et à la croissance économique durable.
Gave est également sceptique quant à l'orientation européenne de Macron. Il critique la manière dont le président soutient l'intégration européenne, qu'il juge excessive et préjudiciable aux intérêts nationaux. Pour lui, l'approfondissement de l'Union européenne ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire de réglementation et de complexité, sans apporter de bénéfices clairs pour l'économie française. Gave appelle plutôt à une réévaluation des relations de la France avec l'UE et à une politique plus orientée vers le pragmatisme économique et la souveraineté nationale. En résumé, Charles Gave voit Emmanuel Macron comme un dirigeant dont les politiques économiques manquent de vision et de courage pour affronter les véritables défis de la France. Il considère que les réformes mises en place ne sont pas suffisantes pour stimuler une véritable transformation économique, et que la France doit adopter une approche plus radicale et audacieuse pour surmonter ses difficultés économiques. Nous sommes à présent arrivés à la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un pouce et à vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo